Permettez-moi de douter de ce raccourci une fois de plus. Bien que mon physique avantageux me permette d'accomplir les tâches les plus ardues, je dois vous avouer que celle-ci est des plus ingrates. Chut ! Et bien que la boue soit conseillée pour la peau, j'ai bien peur que je n'en ai que jusqu'au temps. Veux-tu bien cesser d'être une patate bruyante ? Et voilà qu'il plonge. Voilà ! Ma peau est nourrie et mon camouflage est idéal pour assassiner le docteur en toute discrétion. Strax ! Pardon, docteur, de vieilles habitudes. Il semblerait que cette poule soit en fait un organisme vivant doué d'intelligence. Lui. Fait comme si nous n'avions pas remarqué. Et à trois, on court. Un. Deux. Trois. Run! Go! Toujours. Vous êtes chaud? Ça y est, tout le monde est là? Coucou! Coucou, coucou! Bonjour. Salut tout les le amis. Monde! Aujourd'hui, on va faire donc. Le thème c'est Run Go, Rengo, hein, évidemment, c'est assez proche pour comprendre. T'as un petit coucou de Arsène. Arsène? De Stéphane Kuhn. D'accord! La okay. Compulsion trop brutale, bah ouais, mais on, voilà, fallait qu'on arrive, pouf! Je vais mettre un petit peu de son ensuite, vous me direz si c'est trop fort, évidemment. Et du petit check de mal. Et puis on va aussi donc faire ce Rengo aujourd'hui avec Marine, donc qui est ma partenaire de Pergo sur le Rengo Finland, le tournoi de la qui se passe dans la grotte actuellement, organisé par Camille, par Théo et par Mathieu. Et on va affronter donc Cyril,
Ah cette bon? fois-ci, on n'est pas ensemble. Ah merde! Bon, ben c'est la vie. Il y aura, pas de patates, des os. Pouf, une petite patate. Que j'en Nous pense. Serons adversaires, ça me va. Et du coup, avec François, François Bourris. Merci pour le follow, petit Q. Yo, salut Flo. Quel honneur de t'avoir ici. C'est Flo Flo. C'est Flo Flo. Ah. Et puis il y a François Flo qui nous a rejoint aussi. Donc voilà, on commence tous ensemble. Oui. Honneur est pour toi. Merci mon grand. Donc je vais les appeler, voilà, comme ça on pourra discuter et avoir entre nous un petit peu notre discussion, et puis il y a aussi une discussion avec vous, avec les commentaires que j'ai juste ici, avec le portable. Voilà, donc je m'empresse de les appeler et de mettre la musique. Vous allez me dire si la musique ça va au niveau du son. Et maintenant, pouf, j'appelle. Ready, set, go! Ah, on m'appelle. Salut. Salut. Salut François, salut Cyril. Bonjour, bonjour. Voilà, je crois qu'on entend tout le monde. Salut. Yes. Est-ce que c'est bon du côté du stream? Tension, hein. Ouais. Alors là, je vais mettre... Enfin, toutes les musiques que je vais utiliser, c'est des musiques sans copyright. Donc je prends sur YouTube via une playlist. J'ai pas encore fait ma playlist à moi, donc il va y avoir des trucs un peu dans tous les sens. Mais voilà, donc pour ceux qui suivent le stream, là je parle, ça va peut-être être un peu bizarre par moment, mais voilà, là c'est un petit truc de tension. Au niveau du son, ça va? Au niveau du son de Cyril, de Marine et de François, tout va bien? Moi je t'entends plus. J'ai coupé mon micro sur le Discord, mais... Normalement on t'entend bien le mien. Je m'entends en écho, c'est super. Je connais. Ok, je vais vous monter un tout petit peu, je vais diminuer un chouille la musique. Et merci pour les follow. C'est Black Horror. Je suis toute triste. Oh. Tout va pour le mieux. Et bah c'est cool. Du coup, je vais lancer la partie. Amical Rengo. Tac tac tac. 30 minutes 30 secondes x 5. En salle française, je crois. Il me semble. Salle française, tout à fait. Salle française, oulala. Normalement, tu le vois dans les défis globaux. Ouais. Ah oui, aussi. C'est contre. Donc, c'est Marine et moi face à Cyril et François Bourris. Allez, François, on va se les faire. Jamais de la vie. Ils ont aucune chance. J'en doute. Aucun doute. C'est le pseudo d'un joueur, ça, j'en doute. Alors, Marine, tac tac, VS Aku et Cyril. Je suis là. Tu es là, c'est qui c'est, très bien. Au pire, on prend une bien tilde alors que j'ai pas joué des parties depuis je sais pas combien de temps. Je joue contre Cyril alors qu'il est dans la même pièce, bah je fais ça. Merci petit Q pour le setup, c'est grâce à Camille qui a fait pas mal de choses. Et pour les intros, en fait, à chaque stream, je fais une petite intro. Allez, on va lancer, donc on met en... voilà. Yes, et j'accepte. Tac, tac, tac. C'est ça. Ne regarde pas l'écran de Cyril. Ah merde, mets un cache là, faut pas que je le vois. Ouais, copie pas, hein. C'est moi qui commence. J'ai pas l'habitude, d'habitude c'est Marine qui lance les parties et du coup... J'ai tout mes setups. Oh non, attends. Et c'est moi qui joue après toi du coup. C'est ça. Si je voulais faire plaisir à Marine, faut faire un croisé. Oh ouais. Non. Oh, ah désolé, j'ai joué littéralement une seconde avant de ça. Ah merde. Bad. Too bad. C'était juste que mon truc s'est débranché. Ah. Eh ben ça commence bien, Marine se barre. Non mais j'arrive, mais du coup elle est où la partie? Cette bruit d'épaisse.
Non, apparemment, t'es une goutte épaisse. Je suis connectée avec elle. Mais. Bah non. Ah, les joies de l'informatique. Oh, mais non, mais du coup, on n'a pas de croisé. C'est ça. Désolé. Une prochaine. Je crois que c'est à moi. Si Cyril fait pas un 5-4, what? Non, mais le 5-4 avec blanc, c'est... Je l'ai fait quelques fois, ça m'a pas souvent porté bonheur. Allez, à l'intérieur. Oh, le fou. Une petite symétrie que... Bah non, je... C'est presque une symétrie. C'est joli. C'est à toi de jouer. Non, c'est à Marine. Oh, moi, donc voilà, je répète les settings. Les settings, c'est... Les settings, c'est 30 minutes et 5 fois 30 secondes. Voilà, donc ça laisse un petit peu de temps. C'est un peu plus rapide que le Rengo Finement, actuellement. Mais... De quoi ? Non, non, rien. De toute manière, si je joue rapidement, ça va. Ouf. Ouais, c'est ça. Dans l'équipe, dans l'équipe Marine Vaurien, en général, je joue à peu près très rapidement. C'est moi qui prends le plus de temps. Sauf quand tu vas te faire un pied. Du moment que tu te bagarres autant, ça va. On s'amuse, c'est un Rengo, ça n'a pas d'importance. Prenez justement, c'est le moment. Autant. C'est en Rengo qu'il faut faire les coups que tu n'oserais pas faire, tu vois, tout seul. Tu passes mieux à ton partenaire pour t'attraper. Et puis c'est aussi en Rengo, je trouve, on apprend le plus. En tout cas, enfin, c'est là où on fait les parties justement un peu plus lentes, en tout cas pour moi, et du coup ça permet de commenter un peu plus les coups. Donc il y a plusieurs niveaux, c'est. Tu fais pas des coups n'importe quoi. Donc après cette partie, on commentera la partie a priori, voilà, parce que c'est fun, parce que c'est aussi comme ça qu'on progresse. Chouette, chouette. Alors, je vais lire un petit peu les commentaires. Tant que j'y pense, Lang, bravo pour les illustrations sur ton Insta, on sent que niveau skills. Et ben, merci Black Arcanis, aussi c'est cool d'être en live aussi avec Cyril et puis les autres. Je ne connais pas ce jeu. C'est une théorie sérieuse des 5-4. Il n'y a pas de théorie sérieuse du go de toute façon. Bon. Non, Marine, elle râle pas sur mes coups. Parce que Marine, elle est très gentille. Et. Bah, quand même, des fois, je me dis, oh là là, comment je vais répondre. Surtout qu'en plus. Je peux pas prévoir le coup que le partenaire va... enfin que l'autre équipe va jouer, va répondre parce que t'es là en mode. Oui, mais moi je te fais confiance. Y a pas de souci. Ouais. Alors. Déjà perdu. Oh là là. Ça Pierre Willow Music, Pierre lequel? Pierre de Grenoble, Pierre numéro 1 de Grenoble, Pierre numéro 2 de Grenoble, Pierre numéro 3 de Grenoble. Ah. Là autre chose. Bon, bah, je sais pas quoi je fais. Bienvenue au club. Non, on va faire ça. Pierre Bédéa, oh! Eh ben c'est cool de te voir, très joli ce que t'as fait sur la Corona Maison. Je l'ai découvert par hasard et j'ai vraiment apprécié. On va pas laisser le ponuki, hein, d'accord? Hop, c'est facile comme réponse. Je pense que c'est quelque chose qui n'a jamais été vu avant. Oh, on n'a même pas dit bonne partie. Ouais, c'est très chelou comme. Je sais que c'est pas comme ça que je sais qu'il se termine, mais. Correct. Voilà, cool. Un peu tard. Mais vous avez pas dit Atari. Bah regarde, c'est écrit. Ouais. Ils ont pas dit Atari. Un peu tard. Alors,
ça va être amusant à gérer. Comment faire? On a envie de tout protéger là. Hein. Mais est-ce qu'on peut vraiment? Je sais pas. Bon, moi j'ai envie de tout couper. Du coup, on va dire non déjà, se faire tout couper pour commencer. Je veux pas tout couper. Vas-y, je regarde où tu réfléchis. Oh. Allô? Allô? On vous on t'entend. Ouais. Ça met l'icône du pied. Mais je sais Stéphane que ça met l'icône sur sur la partie, mais c'est pas comme s'il y avait des des follow toutes les deux secondes. T'en fais pas. Je peux même mettre d'autres icônes directement sur la partie. Tu veux que je te montre? Because I'm the clever one. Ah ouais, mais forcément, si je me mets, voilà. I'm the clever one, you're the potato one. Avec ça. What? Coucou la fichette. Ça y est, je commence à avoir un peu. Commencer à avoir un petit peu les réflexes de Twitch et réussir à foutre un petit peu des icônes et machin. Et des trucs par-ci par-là. Aujourd'hui, c'est moi qui fais les attaques. Vous voyez? Atari! Ah là, mais c'est tellement dur de répondre après ça. En vrai, c'est pas si. Atari, c'est mal, Kevin. Salut la fichette, du coup, merci pour le follow. J'ai envie de répondre. Pour retenir ce magnifique José qui demande Sophie, est-ce que je fais un vote pour ça? D'ailleurs, à propos de vote, j'ai mis un truc sur le. Normalement sur le Twitch, pour le prochain. Pour la prochaine game que j'allais faire. Je voulais avoir votre avis, je sais pas si ça marche, si c'est envoyé sur Twitch, si vous voyez sur vos ordinateurs. Je vote pour du Blitz. Oui, ça marche, cool. Et vous pouvez le virer aussi, y a pas de souci, ça se fait bien. J'ai pas envie de laisser le politique, mais en même temps. Allez. Il a pas laissé le Ponuki. Ah non. J'avais quand même envie de faire un contre Atari, mais. Et on protège simplement. Cool. Bah, c'est cool si ça marche pour le poll, comme on dit en français, le truc de sondage, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu dis? Bah, j'ai fait un sondage en fait sur Twitch pour savoir qu'est-ce que j'allais faire la prochaine fois, donc dimanche prochain 18h. Et bah, du coup, je voulais savoir si ça marchait. Je suis un peu en découverte de toutes ces bêtises. Vous voyez. Donc j'imagine que c'est François qui joue après moi. Je débarque un petit peu dans la partie. C'est ça, François. Yes. Ah oui, c'est vrai que du coup tu regardes le stream. Donc quand je parle, tu réponds à 12 secondes. Après. Ok. Ouais. Ouais, c'est ça. Pas de trouble. Le gobelin entre deux, mais c'est une juste pour se la péter. Tu vois ton coup arriver 30 secondes plus tard. Bah, je pense pas qu'il regarde le stream, par contre. Je pense qu'il regarde plutôt la partie. Et il veut un petit peu de musique, du coup il s'est mis sur ma musique. Enfin, sur ma musique. Sur la musique libre de droit. Je sais pas quoi. C'est la musique sans copyright de YouTube. Exactement. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien. Ah, Sam, évidemment. Oh, non, non. Cyril. Ouais, c'est moi. Le goban entre nous deux, c'est juste pour se la péter ou on oui. joue dessus? Ah bah, il y a plus de la poussière dessus qu'autre chose. Non, on met un autre goban en fait. C'est un double goban, vous voyez. C'est une nappe à goban. Exactement. En forme de goban. C'est génial. J'ai perdu et voilà.
Ok. Il vient là, lui. Le petit malin. Vous savez qui c'est, les plus malins ? Eh ben, c'est pas vous. Qu'est-ce qu'il dit ? Mais qu'est-ce qu'il dit ? C'est pas à moi, si ? Ah, si ! Pauvre Goban abandonné. Mais non, 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 on joue dessus. En fait, celui-ci, on l'emmenait partout dans une les bars. Une fois tous les 10 ans Une fois tous les 10 ans, non, peut-être un petit peu plus quand même. On s'est fait une partie, je crois, il y a une semaine et demie. Là-dessus ? Ouais. Que Cyril a gagné de 0,5. Oh, c'est triste. Ah bon ? Bah oui. Mais si. Et la nappe, c'est pas celle avec laquelle on avait joué à Bruxelles, c'est ça ? Exactement, ouais. Ouais, je l'emmène partout. Parce que c'est plutôt fun. J'arrive pas à lire assez bien les équipes pour savoir après comment ça se termine. T'inquiète, personne sait. Et c'est les plus intenses, vous voyez ? Il est parti à... Il est parti à 0 points. C'est dur de terminer une partie à 0 points. Ça grossit tout ça. Ah, joli! Joli, mais est-ce que c'était le bon moment? Si vous pensez que c'était le bon moment, votez oui au 75%. Si vous êtes d'accord, fais un sondage. Un sondage. T'es mignon, François. On a le même genre de pensée, en fait. C'est rigolo. Et ouais, Shine, c'est le retour du Rengo. Parce que c'est fun. D'ailleurs, on a fait une très belle partie avec, avec Shine. J'aime pas la forme. Et du coup, c'était Antoine. Donc, Marine et moi face à Antoine et Shine. Et c'était pas évident, hein. Ah ouais, elle était sympa. C'est sympa. Et on a réussi à terminer 5 minutes avant le crash. Bah, on a gagné autant, quoi, mais... oui, mais... Et on a terminé 5 minutes avant un des crashs KGS. Ah, il y en a eu plusieurs. Cœur KGS. Il y a des voix de Chan. Coucou des voix de Chan, bon anniversaire d'hier. On n'entend pas bien François, je vais le monter un petit peu. Mais il fait pas d'effort aussi, il a une jolie voix toute mignonne, toute douce, et du coup, voilà. François, à toi. C'est mieux, là ? Ouais, je t'ai remonté, normalement. le poker, c'est important, wesh. J'ai pas envie de répondre, mais... Vas-y, bon, c'est quoi les nouvelles de chat ? C'est un peu, c'est un peu pas... Ah. C'est qui c'est un peu... Ouais. C'est mieux pour tout le monde, je crois. Très chaud, maintenant. Ça passe. Ça a l'air drôle. Allez, c'est chill. Ouais, je me suis dit que t'allais faire un truc comme ça. Peut-être. Je sais pas si ça va marcher, si ça va mourir, si... Mais c'est drôle. Alors... Où qu'il faut jouer ? Donc, pas d'Atari, là ? Est-ce qu'il faut pas faire d'attaque ? C'est une bonne question. Hmm.
On a envie de faire des Atari quand même. Mais lesquels? Qui est en train de faire Année à la tête de deux pierres? Alors, toujours dans le petit cadran, il y a Voria Marinisa et à coup, c'est qui c'est qui passe. Donc, bah. Ah ouais, donc. Oh, ah ouais. Cool. Mais il y a ton, y a ton image sur KGS. Pour une fois. Ouais, bah oui, c'est moi qui ai lancé. Il est mignon ce petit loup. Trouvez pas. Bon, qu'est-ce que je fais moi? Ah, cette question. Et. Ouais, du coup. Bah, quand vous voyez. Ah ouais, non, je savais pas. Quand ça coupe, c'est Loïc et quand ça coupe, c'est Marine. Mmh. Merci. Le crosscut, c'est Cyril qui l'a fait. Bonjour. L'extension quand j'ai fait l'Atari, c'est François. Donc là, c'est Marine qui vient de jouer. Là, c'est au tour de Cyril. Normalement, il devrait paniquer bientôt. Parce que Cyril, quand il joue, il est là en mode « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Un peu comme Théo. Je vois quand même plus de pierres blanches entourées de pierres noires que de pierres noires entourées de pierres blanches. Exact. En plus, ils ont même pas deux yeux. Oui, on a la pierre bien placée. Non. C'est quoi? Ouais, j'avoue. Non, ça va. Panique pas, c'est faux. Ça y est, il a commencé. C'est trop dur, le go. Carrément. Alors, où c'est qu'il a joué? Par ici. Mmh. On suit le mouvement. Ça me plaît. Ça me plaît. Bon, on aurait quand même pas mal de cash, mais... ça va. Hmm. Exactement. On est sur la même longueur d'onde, Stéphane. On sait que tout va bien se passer, parce que c'est ainsi. De toute façon, en Rengo, tout peut arriver. Ouais, c'est gratuit. C'est gratuit, qui dit. C'est vrai. Oh là là. Ah ouais. Ah oh ouais, c'est beau. Ah, j'aime bien. J'ai pas pensé à ça. Angle vide. Jamais de la vie. Stéphane, jamais de la vie, c'est... Ça aurait été un angle plein, quand même. Bah, mieux vaut un nanné à la tête de trois pierres qu'un nanné à la tête de deux pierres. Un nanné. Ce nanné-là. Ce nanné-là. Cette année-là. Je sais pas quoi faire. C'est un double nanné, mais de deux couleurs différentes, en fait. C'est pas terrible. Maintenant que je lis. Aïe aïe aïe. J'espère que Marine va pas le voir. Bah, on va tous voir ce qu'il va faire. Hein. Faut pas me dire des trucs comme ça là.
C'est gros quand même si je fais pas ça. Je sais pas quoi faire. Tant mieux. Mais non, c'est pas un crosscut, y a pas de pierre en N12, Stéphane. Cette fois, je passe. Ce serait un crosscut sinon, mais là, c'est pas le cas. Ce crosscut, il sera pour plus tard. Peut-être. Ah, je suis pas fier de moi. Oui, qu'il panique. C'est rigolo quand il panique. Du coup, je sais qu'il y a un truc à voir, mais je vois rien. C'est triste. Oui, tu as raison, il n'y a rien. Rien du tout. D'ailleurs, pas grand chose. Pour les fans peut-être que je te fais croire qu'il y a un truc. Pour les fans de Rainbow, Pergo, tout ça, il y aura un petit tournoi à Grenoble le 19 septembre, si on peut sortir chez nous, Alicia. Mais ouais, normalement, ça se fera le 22 septembre. Le 22, le 19, wow. Mais je crois que c'est Pergo. À checker. C'est du Pergo, ouais, c'est ça. Merci Camille, chère administratrice. Ah, oui. Ah non, mais moi je joue pas là. Je sais. Je démerde. Bon, je vais faire un magnifique. Ah non, mais je faisais vraiment ce coup, c'est horrible. Maxime qui veut déménager à Grenoble, on en a vu des comme toi, fais gaffe. Mais j'ai pas le droit de faire ça, c'est nul. Non, t'as pas le droit. D'ailleurs, François, quand est-ce que tu déménages à Grenoble, toi? Ah merde, y'a le 13 qui est là. Y'a le 13 qui coûte. C'est nul. Je sais pas ce qu'il y avait. Ça va. Mais ça va, c'est chiant. C'est vrai qu'on avait parlé d'un plan vaguement comme ça. T'es de retour quand, François? En moins d'une semaine, normalement. C'est bien. J'ai perdu mon micro. Enfin, mes écouteurs. Je suis de retour pour vous jouer des mauvais tours, a priori, dans une semaine. C'est ça, on est mardi. Ouais. Ouais, mardi prochain. Ça va être... Yes. Si tu fais un... Rigolo. Je fais, hein? Non, j'ai bugué. J'allais dire que tu pourrais passer par la ligue, mais les bars sont loin d'être ouverts. Bah, je sais plus qui me disait qu'il y avait un truc semi-rendez-vous d'Aligre mardi prochain, mais peut-être par internet ou je sais pas quoi. Mais du coup, mardi, je prends l'avion et en fait, il y a quand même un petit décalage de 6 heures. Donc, le temps que je fasse le trajet et qu'il y ait les 6 heures de décalage, il sera a priori. C'est mignon ça. N'est-ce pas? Eh ben, tu sais quoi? On va jouer... Oh, je sais pas. C'est peut-être Benjon qui t'a dit ça, maintenant? C'est Benjon qui m'a dit... C'est Julie qui m'a dit ça, en fait. Ah, mais c'est vrai que vous êtes deux amis québécois, maintenant. Eh ouais. La fichette qui pourra me botter les fesses au pétango. Ou alors là, j'attends de voir. Ce qui la fichette. Ah, j'attends. C'est pour. D'accord, c'est pour Maxime. Vous parlez Maxime. C'est un noob. C'est puissant. Ça va pas se sauver, ces trucs. Qu'est-ce qu'on essaie de soulever des petits. Mm-hmm.
Mais Julien, t'as qu'à venir toi aussi, on t'accepte aussi sur Grenoble, t'es les copains. Enfin, je dis ça, j'y suis pas avant septembre-octobre. Pour l'explication, Julien, c'est le président du club de François, que j'essaie de corrompre. Ah oui, et d'ailleurs, à tous ceux qui codent un peu sur des applications et tout, on recherche quelqu'un pour faire des applications de pétango. Voilà, c'est hyper important. En ce moment. C'est des applications de pétanque. Ah ouais, grave. En application, parce que de ce que j'avais compris du concept, ça se fait plutôt en réel. Ouais, mais ça c'est qu'une façon de voir les choses, hein. Ça s'adapte. Il faudrait que je teste un de ces quatre quand j'aurai réuni mon goban et mes pierres. Mais ça le fera bien. Est-ce que l'application doit prendre en compte toutes les techniques officielles de Pétango ? Ah bah, les règles dauphinoises sont très claires. Hein. Après, faudrait peut-être mettre des accéléromètres au cul des gens. Je suis pas sûr, en fait, que ça soit possible. Parce que oui, au Pétango, faut pas bouger les fesses. Bah, les règles des fesses, oui. Je lis un peu les commentaires. C'est petit. Ah. Faudrait mettre une variable aléatoire pour faire sauter les pierres au-dessus des murs adverses. Pff, il est dur ce jeu. Le retour. Alpha Pétango. Sophonx. À chaque fois, je vais le dire, tu vas le dire. Il y a je longtemps. Pense que ouais. Okay. C'est la marque de fabrique de Cyril. C'est mon petit truc à moi. Qu'est-ce qu'il l'enloue ici? C'est intéressant. J'y avais pas pensé. Je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? Avec ton coup. Ok. C'est pas le mien. Bah, je suis pas d'accord avec ce coup. Seul n'est d'accord avec ce coup. Bien joué, François. C'est bon, ça? Je suis sûr qu'il sait même pas si c'est bien joué ou pas. C'est juste pour pas que vous vous sentiez trop à l'aise. Mais tu vas nous faire sentir encore plus confortable, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, bah ouais. Et après? Moche. C'est moche, Kady. Mais je sais pas pour qui. Elle est forte, ma partenaire. J'aime bien les coups que tu joues. J'adore le Rengo. Ah, Rengo à la sauce. Joue quelque part, et l'autre ailleurs. À la sauce Cyril. Oh, j'aurais pu faire un Atari gratuit en vrai. Oh, je sais pas si c'était vraiment. Oui. Ouais, bah, il fallait c'est pas certain. Fallait sauver le groupe, enfin fallait... Ça aurait fait deux groupes différents. Ok. Ah. Et c'est François qui commence à faire des coups qu'il faut pas faire. Ça c'est ce que tu dis. Hein? Oui. Mais ça se trouve, tu vas mourir. D'accord. Montre-moi le chemin. C'est un grand spécial à la ligue, le Yosé de l'intérieur. Mais oui, mais le contre Yosé de l'intérieur, parce qu'au final, tu vas peut-être perdre plus de points que ce que tu vas faire à l'intérieur, même si tu vis et si tu meurs. Bon,
Not really convinced. Ok, elle va faire ça. Je fais quoi? Allez. Ils font des bonnes musiques en nos copyrights sont quand même. Tu trouves pas? Quoi? Ils font des bonnes musiques en nos copyrights. Ouais. J'aime pas trop mes cours aujourd'hui, Louis. Mais pourquoi? Je suis désolée. T'inquiète, moi je les aime bien. Ouais, bah, c'est bien, il y en a un ou deux qui aiment nos cours. Non, mais il y avait un coup que je voulais faire depuis tout à l'heure et j'ai pas encore eu l'occasion. Il y a François qui commence à se ronger les ongles là, je pense. Non, mais sinon, on joue ailleurs, hein, tu sais. Tout ça. En tout cas, il y a Cyril qui se tire les cheveux. Désolé, Cyril. Ah, j'espère bien que t'es désolé. Moi, je sais pas si vous avez vu, mais ça commence à arriver, le stream de Go français. Il y a déjà Denis qui a commencé à faire des petits trucs. Il y a DZ qui commence à faire des petits trucs aussi, en plus de ses vidéos d'habitude. Il y a Ben Zero qui va s'y mettre. Je vais pas faire ça. Ça, c'était uniquement dû au confinement. C'est possible. Ah, mais du coup, là, tu vas rentrer, t'auras pas de confinement. C'est ouais. À voir, j'ai eu pas une quarantaine. Ah, ouais. D'ailleurs, c'est Camille qui a fait les designs des trois quarts de ceux qui vont faire du stream. Once more. Ça marche? Mais non, ça marche. Mais en doute, allez, vas-y. Allez, amen. Alors, on a deux choix. Effectivement. Enfin, deux, ouais. En duo, Ben Zero est en liste ce week-end. C'est ça. Je fais premier choix, c'est ça. Mais c'est pas bon. Du coup, deuxième choix, ça paraît legit. Deuxième choix. Voilà un coup auquel je n'avais pas pensé. Ah bon, moi j'ai vu. Bah moi je voyais H2 et L2. Je voyais pas d'autres coups. Je voyais pas... H2 et L2, mais je n'aimais pas H2. Je sais pas du tout à quel niveau elle va devoir venir, Marine, mais. Ah oui. Mais j'aurais peur. Franchement. Non mais il faut que je fasse des comptes dans un mois. J'ai pris mes examens, mes rapports, tout le travail. C'est sympa de voir les variations. Des fois, t'arrives sur ta GS, t'es 13 Q, puis après, t'es 12 Q, puis des fois, t'es même 11 Q, tu vois. C'est sympa de voir que tu varies sans jouer. Que tu varies sans jouer? Ouais, mon niveau, il change. Bah, je pense que ça dépend du niveau de mes adversaires que j'ai déjà eu dans le passé. Ouais. Ok. Bon, je vous laisse en compagnie de Cyril pendant 2 minutes. Je vais prendre un verre d'eau. Bon courage. Voilà. Je casse tout. C'est bien se passer. Oh. Allez, voilà. Voilà. Mais non. Mais si. Mais non, je suis pas d'accord. Qu'est-ce que je fais? Moi, je sais. En réalité, c'est assez petit. C'est petit. Ouais. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Tout est bon. Il commence à paniquer, c'est comme les bots, il commence à couper partout pour voir s'il y a des petits trucs. Bah, il y a quand même un truc là. Ça s'appelle un time surge.
Taimsuji. Et waouh, Marine, on est en retard, pas autant. J'y crois ouais, pas. Ouais, je sais. C'est pas grave. Il y a pas de pression. Allez, je fais quand même ça. Ah, je pense bon. Que de pas perdre ces deux pierres et de perdre deux autres pierres, c'est mieux. Elle est pas formidable. C'est bon. Ah mais attends, mais en fait ça marche pas. Contre. Ah si. Non. C'est le meilleur coup, c'est. Si 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 ça marche. C'est le meilleur c'est coup juste du jeu. 4 points quoi. En oh, ouais. On joue maintenant. Kézak, qu'est-ce que tu dis? Sur ce, nous avons. J'ai toujours pas pu faire mon coup que je voulais faire. Alors, tac tac tac. Le petit check est basé. Maintenant, c'est à moi de revenir avec sa mère. Le petit check ? Comment ça ? Non, le petit check. C'est quoi le check ? J'ai mal compris. Non. En non, mode check ? J'ai pas compris, ouais. C'est trop vieux, je pense. Ah, mais genre, chez. C'est ça que tu veux dire? T'as quel âge? Ouais, c'est ça. je le troll parce qu'il est plus jeune que moi, mais... Ah, ok. Bon, alors, du coup, ça va. Je suis encore plus jeune. Ouais, t'es la petite dernière. On joue la contre les vieux. La petite dernière. Ouais. On allez, rejoint par Batman. C'est beau, vas-y, ça. Faisons un C3. Fais un Sansan. On n'a pas, pas encore eu de Sansan à cette partie. Bon, d'accord. C'est quoi, ils veulent un coin, on va en prendre un autre. Ouais, c'est pas mal, celui-là, je voulais aussi. C'est legit. Legit. Ah. C'est un truc, putain, mais... Ah ouais. Merci. C'est vrai qu'il y a un temps pour le follow, Shinichi. Quel honneur à nouveau. J'ai toujours des coups forcés là. Oh, on parlait de toi tout à l'heure. Solide. Allez, moi aussi j'ai des choix forcés, tu vois. Shinichi. Shinichi, moi alors. C'est quoi la musique? Quoi? Ah, moi j'ai pas la musique. Hein? Chanteur, ça. T'as dit quoi? C'est quoi la musique, demande Mathieu. La musique, eh ben je l'ai postée un petit peu plus haut, mais si tu veux, je peux reposter. Enfin, c'est une playlist du coup de trucs libres de droit. Oui, je sais, c'est chiant. Je crois que les gens qui arrivent en même temps, en pleine partie, n'ont pas les précédents messages, non? Ils l'ont dans le chat, en fait, mais... Enfin, là, c'est une nouvelle musique. Oui, mais si t'arrives après qu'il ait été posté? Tu t'es fait... Ah, oui, tu as raison. Pardon. My bad. Faudrait que je le mette en description, en fait. C'est qui, Zeman Fred? Ah, bah c'est Fred. Oh, non, c'est Fred qu'on aurait. Ah, d'accord. C'est Julien. Julien. Zeman Fred. Julien... Lequel? Alors, je m'excuse d'avance pour le bel angle droit que je vais faire. Angle droit. Vide. What? J'ai envie de le faire. Yes. Souffrance. Aïe, aïe. Bon, bah, il n'y a qu'un coup, hein. Je sais même pas si c'est un bon coup à jouer, mais j'ai envie de le faire. Je peux comprendre. Il le fallait. Ouais. Ah, greu. Ok. Maintenant, c'est à Luc de décider s'il a envie d'essayer un truc.
Gru. Mm-hmm. Je crois que Camille essayait subtilement de dire que c'était Julien Daligre. Julien Cru. Je me doutais que c'était Malter. Alors, comment on se déroule avec ces bêtises? Qu'est-ce qu'on va manger comment? Technique de déconcentration. Je n'aime pas beaucoup vos méthodes. Vas-y, sors-moi ce groupe, Loïc. Allez. Allez. Non mais si tu ne peux pas temps, le sortir. Chaque chose en son temps. Tu vas perdre autant. Ça te ressemble pas. C'est chill. Mais je crois que t'as déjà une partie où tu t'es retrouvé en biomie parce que bah du coup en rainbow c'est ton partenaire qui prend le temps. Genre, où normalement, tu ne te serais pas retrouvé en biomie. Ouais, je sais qui t'a répondu. Il a fond le Lucas. Ouais, là, je suis en mode lecture. Laisse béton. Ouh là là. Moi, j'ai lu 3 coups. Ouais, je suis sur 3 fronts en même temps dans ma tête. Ça n'a pas de sens. Moi, je lis Tenuki. Alors... Trois. Ouais, dans ma tête, j'ai 3 fronts. Mais ouais. Peut-être. Oui. Merde. C'est pas grave. Ouais. Mais... 3 fronts dans la tête. Tu sais, tu peux reprendre ton coup si jamais tu t'es vraiment trompé. Hein. C'est Cerber, ça. Je sens le piège. En même temps, tu me diras, c'est 3 têtes, mais derrière, 3 fronts. Du coup, ça marche pas, c'est pas Cerber. C'est plus... Plus Voldemort, mais du coup, on a que 2. Ex-Quirrell ? Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle, le mec qui se fait posséder par Voldemort ? Quirrell. Ah, le docteur Quirrell, ouais. Docteur, pourquoi j'ai dit professeur? C'est qui Voldemort? Ouais, il est plus Star Wars. Hier, on était May the Force, alors c'était la merde. C'était la merde. Ouais. Il s'est réveillé en me disant Happy May the Force Day. Bah ouais, c'était le jour de Star Wars, quoi. Oh, je sais vraiment pas quoi faire. Ah coucou, c'est pas toi de jouer de toute façon. Ah bon? Ah ouais! Ah merde! Ah ouais! Ok. Dit-elle. Que j'ai envie de faire ça? Voilà. Et son nom français, c'est Quirrell aussi. Quirrell. Oh, faudrait que je le regarde en allemand, je sais pas comment ça se dit les noms. En quoi? Je suis sûre que ça va être un truc comme Quirrell, parce que Q-U ça se dit Q-U. Comme. What? Aquarium. Faudrait vraiment avoir fait une sacrée bêtise pour devoir regarder Harry Potter en allemand quand même. Mais non. Mais nein. Ça fait travailler. Allez, on y va. J'ai envie de faire ça. Un peu de bon sens, du coup on va se contenter de faire ça.
Ouais. Oh! C'est cool ça! Ah bon? Il y avait un meilleur coup à jouer? Je pense. Scorer. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait comment? Hackbar! Il y avait un meilleur coup à jouer, lui? Enfin, je veux dire. L'avenir nous le dira. Non, ça va. Exactement. Je sais pas, moi je l'aime bien mon coup. J'ai deux possibilités. Si je fais celui-là. Quasi obligé de répondre. Je sens qu'il va jouer spécial lui encore. Non, mais je m'arrête pas. Que je dois aller sortir. Je suis assez très bien. Alors. Courage, Mathieu. Merci, Mathieu. Ça va bien aller, comme ils disent ici. L'avenir là-bas, c'est un personnage important dans le Pokémon. Je l'avais pas lu. N'oublie pas l'attestation hein, pour sortir le PR. C'est à qui de jouer là? C'est à moi. Okay. Je crois que c'est lui qui prend le plus de temps. Hein. Oh ouais, c'est le pire. J'avoue. Désolé. Bon, non, t'inquiète. Faut que je m'entraîne à jouer en biomie en vrai. J'aime pas. Enfin, je suis moins habituée. J'essaie de me rendre la monnaie de ma pièce là. Ouais. Tu veux voir. Là. Alors, ouais, bah ouais. Ouais. Je souffre intérieurement. Mais pourquoi? Je sais pas. Allez Marine, t'as pas le droit à l'erreur. Ouais. T'inquiète, c'est lui qui a la pression. J'ai jamais la pression, c'est faux. Bon Mathieu, comment tu te sens toi pour les nouveaux streams là que tu fais? Tu les as regardés toi un petit peu? Non. C'est vrai. Mais moi je dis pareil, en tout cas. Si tu me forcerais pas à jouer au Go... Ah, je lui fais déjà faire trop de Go dans la semaine. Oh là là, c'est quoi ce coup? Ah oui, c'est à toi. Chut. C'est faux. Okay. Ouais, ça fait voir des copains, c'est cool. Allez. Allez à la tête de Pierre. Ouais, mais on... est-ce que ça marche? J'ai pas dit si ça marchait.
retourne à la porte. Je sens que ça va couper. Chérie. Tout de suite ? Tout de suite ou pas tout de suite ? To be or not to be ? On va commencer tranquille. Ok. Jusque là, tout va bien. Bon. Deux de deux pierres. Je sais pas ce que ça veut pas dire. Ah oh, yes. J'avoue. Mais c'était plus sympa quand tu coupes. Ouais. Tac. Le timing est important. Tac. Et ouais. Ça marche pas très bien en fait. J'aurais peut-être pas dû couper tout de suite. Peut-être faire un nez avant en C2. Ouais, j'ai pensé à le faire au début. Après, je pense que je fais toujours F2, puis B2, puis B3. Ouf. Let's take some bombs. C'est pas ça. Ah yes. Bah qu'est-ce qu'il fait? Il a rien attaqué. Mais nos pierres, elles étaient vivantes. Bon, honnêtement, qui a compté? Hop. Qui a fait quoi? On n'est pas en train de compter là, on est en train de faire un combat. Il parlait de timing il y a 2 minutes quand même, le type. Ah! Ah! La autre chose. C'est bon ça. Bon. Faire grossir un peu nos pierres. C'est pas la taille du dragon qui compte. Là, au niveau des timings, il reste 4 minutes pour François et Cyril et 1 minute 50 pour nous. Oh voilà, c'est... C'est en absolu? Non. Non, non, on a un diamant. Bon. Bah, je reviens. Ça a coupé, j'ai pas entendu. Il a dit je reviens. Ouais. Moi, ça a recoupé. Hein. Ouais, moi aussi. Ok. Merci, ah. Je me suis dit, c'est mon là, c'est vous m'entendez connexion. C'est ok? Ouais. Ok. On va voir si ça va couper. Oh. C'est l'heure du chicken. Enfin un vrai combat là. On a été plutôt gentils depuis le début en fait. T'as vu Mathieu? C'est moi je joue avec Marine et c'est moi je fais des commentaires et elle fait des formes propres. Eh, hey, on n'y croirait pas hein.
Bon, en vrai, je t'ai pas appris grand chose. Mais bon, si je peux flatter un peu mon ego aussi. Tu m'as appris à couper. Mais des fois, ça marche pas. Mais des fois, ça marche pas, ouais. C'est ce que j'ai envie. Sauf que le temps que je joue dans trois coups, je ne pourrais plus ce que je peux jouer. C'est tellement pas bon. Regarde pas ton partenaire, François, faut pas. J'essaie de trouver un petit gif ou emote pour PLS, mais je vois pas. PLS ? Attends, je peux te l'envoyer. C'est celui-là. Tu peux le checker sur le Twitch. Yes. Ah, quoique non, ça c'est pas trop PLS. Ça c'est plutôt la tête que tu vas faire après son coup. Ouais, je me suis dit que t'allais faire un truc du genre. Je connecte. Coup, je me suis dit. je lis d'autres choses. Cyril en PLS. Oui, ça fonctionne, oui. Oui. T'as bien retenu tes cours de secourisme. Ouais. On s'y remet. Au moins, le mec, il te fait pas chier. Tu fais ça sur le mur et c'est bon. Cette fois, il est en PLS, tu vois. C'est la conséquence. Cyril, il a l'air tellement deg de mon coup. Non. Non. En même temps, si on meurt là, c'est fini, mais... Dommage, non, on aimerait bien si vous mouriez ici. Et le... Blitz va commencer, enfin le yo-yomi, pas le blitz. Ouais, ok. Non, je suis payé amour, Arsène. Stéphane, je galère à chaque fois entre Arsène et Stéphane, à chaque fois que je dois l'appeler. J'hésite entre deux. C'est solo. Ah. Oui, ben le blitz, c'est un peu la vie, alors on se calme tout de suite. C'est quoi ? C'est ça. Allez, c'est bon, nous sommes tous les deux en vie. C'est fait. C'est fait. Ah, j'avais dit faire. Oui, juste. Lo tranquilo. T'es au Canada quand même. Bon, d'accord. Oui, mais je suis dans un resto mexicain alors je parle en espagnol. Et c'est le blitz pour en face aussi. Moi, je... c'est ouais, bien. C'est...
Parler espagnol, moi. Ok, never. Et salut. Salut Jiraya. Ouh là là, on est en avance, on a une période de plus. Ouh là là. C'est mauvais, mais... Ok. Chelou. Je suis d'accord. Ça, ça prend quelques points. Putain. Et c'est parti pour le Yossé. Et vu que je fais que de boire de l'eau, comme Yun Yang, qui est d'ailleurs passé 9 dan, bravo Yun Yang, sur Fox, et bah comme Yun Yang, je vais passer aux toilettes à toutes. Ici. Je voulais faire un costumier en L15. Mais José t'a dit. Mais non, je voulais faire celui-là. Le timing était pas bon. C'était mon coup, moi je voulais faire S17. Tu peux pas tout avoir, hein. Bah ouais, mais... En vrai, ça faisait genre... Je sais pas, il y a 20 coups avant, je voulais le faire, mais je trouvais pas de bon moment pour faire ce coup. Ah merde, faut mettre pause. C'est à Loïc. Ah merde, il est parti. Oui. Bah non. Ah mais c'est bon, chill, on va leur ajouter une minute. Bah Loïc, tu ne pars pas en Biomi. Je crois pas qu'il y ait de... Je crois pas qu'il y ait de pause. Tu veux, ouais. Ouais. Et non, c'est passé quoi? Si, on est plus en bionique. Enfin, qu'on a. Ah besoin. Oui, d'accord. Je t'ai rajouté une minute, Loïc. Ah, ok. C'est fort aimable. Hop, comme d'habitude. Tac. On va commencer de les descendre, du coup. C'est gentil. Vous êtes des amours. Ouais, bah c'est... À chaque fois, tu joues le coup, putain. Ah non, mais vraiment. Genre, il y a 36 000 coups, bien... Et genre, je vois... Non, mais il est... Allez, il est embêtant. Hein, clairement, il est embêtant, ce petit... Ce petit à coup. B18, B18. Eh ben non, il l'a joué. Ça va, si t'es sur le même... si t'es sur le même genre de rythme qu'un... Qu'un de Dan... Non mais ça va. Oh. Écoute, dans cette partie, c'était coups et l'aisselle. Voilà. Leroy James. Il a fait que des coups et l'aisselle. Le relou. C'est pas un coup de Yossé, ça. Je suis pas d'accord. Il est bon ce coup. Je pense que j'ai l'impression qu'il est bon. Mais ça fait chier. En plus, vous êtes en biomique. Je pense que les temps là, ils vont tomber. Je me mets en position latérale de sécurité. Je vais voir ma technique. J'ai ma technique. Ok. Et... Oh, ils en veulent trop. On est fort, vous êtes faible. Bouya. Oh. Oh non. Qu'est-ce qu'on fait? Tu peux sinon jouer autre carte. C'est moi qui vais tomber autant là. Mais non! Mais ça marche pas!
le retour de la panique. Une période de vie et demi. Ouais, je sais. Ce qui est bien avec Cyril, c'est qu'il fait des coups et après il sait pas pourquoi. Mais non, mais... Oh là là. Non, mais je veux autre part. C'est la mort. Je dirais qu'ils ont rajouté une minute, alors je rajoute une minute aussi. Si je fais ça, ça, sympa, ça paraît faire. Bon alors, là actuellement bah, c'est le premier vrai stream de Go. Enfin de Doctor Who. Et l'idée c'est que bah, il va y avoir des petits badges. Alors si je peux faire en dessous, je sais pas si ça marche, si c'est par là. Je sais pas quoi. Ouais, faire, ça doit être hein. Par là. Par là, en dessous de là où on voit les joueurs défiler. Non, c'est à moi. C'est à toi Loïc, si jamais. C'est à moi, ouais. Là où on voit les joueurs défiler, eh bien, juste en dessous, il y aura des petits badges et il y aura des. Enfin, on verra si c'est compliqué. C'était des fakes. Premier vrai stream de Go, dans calme-toi. Je n'ai pas cette prétention-là. Ah. Atari! Qu'on dit. Il y a Jiraya qui réagit. Ouais, c'est ça, ouais. Ah. Non, moi je regarde les streams de Jiraya. Et ah. Donc. J'avais oublié lui. Gros malin. Lui qui est sur 5 fronts à la fois. Merci. Ouais. Je... Tu n'as rien bité. Ok, alors, pour Julien et pour ceux qui ont pas regardé les autres streams, le truc c'est sur un... Enfin, je fais ça sur un projet, sur pas mal de choses, notamment du Rainbow, mais il y aura du Blitz, il y aura de toutes les choses. Là, j'ai, ça marche normalement, pas, ce truc. Il y a dans les... Il y a dans les descriptions, dans les vidéos, dans les temps forts que j'ai déjà fait donc sur Twitch, il y a un petit truc sur... Ça marche pas. Sur un peu tout ça. Ça marche pas. Ils ont l'escalier. Tac, tac, tac. Hop. Mais maintenant, on peut faire celui-ci. Cette musique est un peu chiante. Ouais, ok. Alors, là, on fait un Rengo. Ça va compter dans les épisodes Rengo. Donc, c'était Rengo épisode 1. Si jamais je gagne la partie, je vais compléter une quête petit à petit. Donc, il faut gagner un certain nombre de Rengo. Je crois que c'est 5 que j'avais mis. Pour compléter la quête et bah, si on gagne on complète un cinquième de cette quête, si on perd on complète pas cette quête et du coup il y aura plusieurs épisodes donc au minimum 5 et donc il y aura ce genre de mini quête de mini badge pour tous les genres d'épisodes donc vous pouvez regarder ce qu'il y a donc c'est à toi, sur ouais je sais. Vous pouvez regarder ce qu'il y a sur c'est quoi paf. Vous pouvez regarder ce qu'il y a déjà sur Twitch. C'est à toi. Ah non. C'était à moi, ouais bon. Et sur Twitch j'ai déjà mis une vidéo de présentation donc de la quête de Toby 19, voilà. Et merci Simulation Quest. Il a pas le time, ouais, c'est ça. Talk sujet. Mm-hmm.
Faut que je réponde. C'est pas mal ça. Non, c'est un petit peu chaud d'avoir la tête au stream, au Rengo en blitz là. Oh oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Le retour de la panique. Sophonx, j'espère que t'es prête. Non. Qu'est-ce qu'on fait? Non. Quoi qu'il arrive, je sais mon prochain coup. Enfin, non. Quoi, il y a des chichots? Où ça? Où ça? What? C'est bon. Ah! T'as trouvé un coup. J'ai du temps. Je n'aurai pas le temps. 30 pas secondes. Le temps. Même s'il fallait. Ouais, c'est un problème. Vite que le vent, je n'aurai pas le temps. Écoute. Ah, mais non! Ah, mais non, ça marche pas! Oh non! Ça, c'est cool. Comme ça, on sauve même les pierres qui sont à gauche. Ça va, mon ami. Un gros poisson, là. Mais on n'était pas si mal dans la game. Il n'y a plus de temps. François, 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 François. Mmh. Ah, il nous met la pression. Vous êtes déstressé, hein. Bitch. Bon bah... On va faire ça. Ouais. Je suis grossé. T'as quand même le don pour trouver les bons coups, Loïc. Genre en fin de partie, tu sors un petit coup comme ça, en mode... Et ils nous ont fait un petit coup en C, je sais plus quoi là avant. Il y a moyen de récupérer aussi, hein. Un petit peu. Ouais, ouais, mais j'ai mal joué. J'ai un peu donné la vie quand même. Je vais tenter. Hein. C'est bon, ouais. Allez. Simple. J'ai ma souris, j'ai ma souris sur le F13. C'est moi qui l'ai joué. Ouais, j'ai aussi un peu... Oui, il faut passer en moins 16. Il faut passer en moins de 16. Comment à cause des gros mots. De quoi ça parle? Oui, oui, c'est à cause de ma grossièreté. Ah. T'as dit quoi, toi? J'ai fait... Dans l'oreille. J'ai fait... Voilà. C'est plus simple, moi, j'ai autre chose. Oh non! Non! Mais c'est pas vrai! Non, ça va. Quoi? Je suis pas d'accord. Pas mal de front là. Je sens venir le tank des cathédrales.
Ouais. Hein. Ça paraît legit. Il y a un peu trop de trucs, mec. Je sais. Je sais, je sais. Ok, ok. On se concentre, tout va bien. Tout va pas bien. Respire, respire. Non, je suis pas très bien en fait. Oh, c'est pas si pire, hein. Et je pense que ça va sûrement se finir ici. Ouais. Je crois pas qu'on puisse sauver ça. Je ne pense pas qu'on puisse sauver ça. À moins de trouver des coups comme pendant le blitz de l'autre fois. Oh, le bâtard, il joue psychologique. Toujours. T'es sûr qu'il y a pas mal ? Ça fait un coup ? Non. Pas. Ça fait pas de... Je sais pas quoi j'ai du coup, vous devez répondre à moi. C'est pas faux. Ce que tu dis est juste. Est-ce qu'on est vraiment obligé de répondre? Oh oui. Bon, peut-être. Non, vous êtes pas obligé de répondre, répondez pas. Ah, il me connecte. Ok, ça se tient. Je propose, Marine, qu'on abandonne la partie. Ok, ouais. Cette ouais. fois-ci. Je pense que c'est un petit peu gros. Raison. Et bah, merci pour la game. Ouais, GG, c'était cool. Ouais, merci. GG aussi. Alors, vous avez abandonné, François. Ok. Et. Mais je l'ai pas vu venir. Franchement, la coupe, je l'ai vraiment pas c'est vu. C'est vrai. Moi, je l'ai vu, j'étais mais quand t'as coupé, les deux, c'était trop gros en fait. Les deux, c'était un petit peu trop gros. On pouvait pas, mais c'est vrai que. T'as très bien trouvé. Ouais, franchement, bien joué, François. Tech. Et. Je vais donner le contrôle à Doctor Who. Boum. Voilà. J'ai 18, c'était pas jouable de faire la fin. Putain, il était très chiant ce C9. Hein. Il était très chiant. Et ben, Sayus, au fond, ça, tout à l'heure. Bonne rentrée chez toi. comment vous avez trouvé la partie? Comment vous avez trouvé le format déjà au niveau des streams et puis au niveau des participants aussi? Comment c'était pour vous? J'ai pas trop paniqué, ça va? Comme dirait je sais plus qui. Il va falloir essorer le tapis maintenant. Ouais, comment vous avez trouvé les participants aussi? Marine, François? C'était sympa. Ouais, c'était cool. Oh, on a bien rigolé, franchement. Quoi, rigolé Il y avait de la tension. Il y a eu pas mal de retournements de situation, c'était sympa. Bah, Blanc a bien mis la pression quand même. Je pense que Blanc était quand même pas si mal. Je pense que à partir du moment où Blanc capture les deux pierres là, au 9 ou au 8, il a une partie un peu plus facile. En fait, ici, il faut juste faire ça. Mm-hmm. Ouais. En fait, on continue de pousser, et puis si jamais il veut aller devant, on fait ça, mais lui, il a pas encore, Blanc n'a pas encore vraiment des points dans la zone. Non, il n'en a pas. Je mets les petites couleurs. Dans cette zone-là, il n'y a pas vraiment de points encore, donc Noir fait ses points.
blanc, il a un petit coin ici, il a un coin quand même potentiel. Je pense que la partie, elle se joue carrément. Hein. Je pense que c'est même 50-50, voire peut-être un petit peu pour blanc, mais je sais, là, je sais pas trop. Bah, il y a quand même 30 points très très cash à droite pour le noir. Ouais, c'est ça. Ça me paraît que... Dans la partie, j'ai compté 30 points, là, il y en a peut-être un peu plus, du coup. Mais du coup, t'as joué ton coup hein, vraiment avec avec un bon timing. J'étais vraiment partant pour que tu pousses une fois de plus, François. Alors, merci que commentaire sympa. Parce que, déjà... parce que ce coup-là, il est assez cool. Là, quand... Ouais. Quand oui, j'avoue, oui, ouais, cette sucie, elle est pas mal. Mais je vois les commentaires, je vois 4 Q-Boy, j'ai une idée de qui c'est. Hein ? Je vais pas répondre à ce commentaire. Salut, Cat Q-Boy. Star Wars, bien sûr. Quoi d'autre ? C'est quoi ce beau client ? Ce beau client, ce beau client. Ce beau client, c'est. C'est. Comment il s'appelle déjà ? C'est juste Go Universe que j'utilise. Donc, bref, pour revenir aux commentaires de la partie. J'avais vraiment pas mal envie de celui-ci parce qu'il est hyper agréable pour noir et c'est pour ça que bah, François t'as très bien fait évidemment de jouer ici, sinon noir il a vraiment une puissance, bah, même s'il se fait percer là il s'en fout, enfin, il prend ses points cash, rien à faire, même s'il y a le Hané à la tête de pierre, il va juste rajouter un coup solide je pense. Le timing était parfait. Qu'est-ce que t'en penses, François ? Ouais, mais je pense d'ailleurs que c'est José Kinan que Blanc était Nuki après N18. C'est... Qu'il est déjà vivant dans le coin. Ça, du dépend, coup, de ça dépend de la situation. Souvent, on va faire ça parce que si Noir joue ailleurs, on a le double année qui est cool, on a le petit truc ici. Mais du coup, là, quand Blanc fait année, probablement que Noir va juste... Donc oui, bien joué, hein, très bien le Tenuki. Cette séquence de début, je t'avoue que je sais pas trop. Mais je pense que je me trompe là, Q5, je devrais peut-être bloquer en P3, non ? En P3... je pense qu'il faut faire ça, ouais. Je pense qu'il faut faire ça. Au moins une fois. Et là... Du coup, quand on fait ça, Blanc a envie de couper, mais ça, c'est quand même hardcore. Faut ouais. pas. Ouais, pas ouais mais je pense... Enfin, c'était ce que je voulais, de toute façon. Tu voulais le Ponuki ? Ouais. Ah bah si, c'est comme ça. Maintenant tu réponds. Maintenant tu réponds au P4. Ah ouais ? Mais du coup, c'est bah, un peu là, triste. Dans ce cas-là, on peut te prendre. Bah ouais, tu nous as juste donné deux pierres. Là, on a une force... Non, mais c'est affreux. C'est hardcore, quand même. C'est affreux. Moi, j'aime pas trop pour blanc, hein, quand même. C'est pas fou, hein. Ouais. Ça fait un gros coin, mais... Et puis, blanc, noir a pas... Enfin, il y a quand même de la force de chaque côté, là, donc... Par contre, ici, j'aurais dû faire ça. Après, dans la partie... Ça aurait été plus simple. Bah, on aurait pu année du coup plus tôt, mais même au moins c'est plus solide. Mmh. Peut-être que c'était mieux, mais j'avais quand même envie d'aller plus loin. Non mais faut choisir. Ok, donc là bam bam, soit ici c'est un peu petit, je pense, mais au moins c'est solide. Ouais, j'aimais pas notre groupe, genre je le trouvais un peu trop faible. Potentiellement c'est au 7. O7 au lieu de Q5, O7 au lieu de Q5, pour blanc, donc. O7 au lieu de Q5, oh ça j'aime pas, j'ai un peu peur quand même. Ah mais je crois me rappeler d'une variation de ce truc où du coup... Par contre, blanc répond pas à la tarie en plus. Tu veux que je te donne le contrôle ? Ah ouais. Faut repasse, tac, je donne le contrôle. Ah, liste. En fait, ça me fait penser à. Attends, je suis en train de bugger. Et du coup.
où du coup blanc fait ça, noir répare et blanc peut connecter. Je sais pas, moi je pense que je prends le Ponoki, moi je sais pas. Les pierres noires laissent de l'énergie. Je prends le Ponoki, ouais. Et là tu fais au 6 pour noir. Ouais. Et là au 6. Ouais, ouais, à couper, ouais. Mm. Je sais pas. Mais ouais, je pense au 7 c'est mieux que le Q5 là, déjà. Je suis moyen chaud parce que là il y a la coupe en. Ouais, la coupe, pardon. Il y avait. Ok, je vais. Bah, ouais, tu peux continuer un petit peu. Hein. Vas-y, tac tac tac. Et là, en fait, je pense que même maintenant, en fait, je pense que c'est le point. Ouais. En fait. Et donc là, la forme, Cyril, où est-ce que c'est ? La forme pour noir. Ah oui. Quoi ? Là, la forme pour noir, donne-moi une intersection. Je vois pas ta question. Il y a une question, c'est... Il y a une forme... Enfin, je pense que là, la forme à jouer, il y a un coup en particulier, c'est celui-ci. Et probablement dans notre partie aussi, c'était pas mal de le jouer. Après, le Hané était quand même puissant, mais là, c'était vraiment over solide, je pense. Il est pas d'accord ? Je ne pense pas. Mais là, ouais, poussé. Donc là, dès qu'il y a la coupe, là, ça picote un petit peu. Et on doit... Je me demande s'il faut pas insister un peu plus. Ouais, je pense qu'il faut insister en tant que blanc. Et pas... Enfin, parce que là, il peut juste faire Atari. Je voulais pas toucher à la faiblesse. Ouais, mais si noir répond comme ça, la faiblesse, elle est toujours là. Elle est toujours là. Ah oui. Et si noir répond comme ça, ou comme ça, bah, du coup, blanc, il a plus d'espace pour aller sur le bord aussi. Et puis, il peut pas se permettre de hanner en Q11, parce que sinon, il y a Atari. Et du coup, c'est terrible. Mm. Donc, finalement, on prend juste nos points. Ouais, c'est vrai que ma forme était pas belle après tout. Là, je me demande si on peut pas double hanner. Ben oui! Oui, en fait, je me comme suis dit ça, double année. Ouais. C'est super violent. Si ça marche, c'est super violent, mais je crois qu'il y a quand même du sacré spiel. Et si tu fais N15? Ah, je pense que c'est compliqué pour le blanc de tout sauver. Là, ça va mourir. Ah bah oui. Ah bah. Même avant, que t'as pas... Non, fais Atari. Comme ça? Ou l'autre? Bah, celui-là, ça serait le bon coup, parce que si tu fais l'autre, c'est sûr que tu meurs. Parce que là, je suis content d'aller jouer en N12 à un moment donné. Ben, pas là, mais si tu fais l'autre. Mais le jump était un petit peu de trop. Mm. Mais du coup, je pense que dans ce cas-là, blanc est content de sacrifier les deux pierres pour créer une. Ouais, une mais il forme. Sacrifie justement pour. Bah après, c'est. Au niveau de la forme, faut vraiment que tu rajoutes un coup, quoi. Parce que là, si on fait N12, puis on fait Atari, puis on fait Atari. Ah. C'est du coup, me demande si je peux pas commencer par jouer ça. Je pense que dans la partie aussi, j'aurais dû le faire comme ça, dans cet ordre-là. Mais dans ce cas-là, cette fois-ci, on va prendre la pierre. Là, cette fois-ci, la pierre est plus importante, et du coup, tu vas finir goté, donc tu vas faire des points dans le coin. Mais c'est pas si intéressant, parce que là, ça devient trop gros. Ouais. Les échanges sont pas bons. Mais du coup, ça laisse une grosse cacahuète. Toi, t'aimes bien les cacahuètes. Hein. Et là, je pense pareil, avant de renforcer la forme du blanc, je pense que blanc devrait couper pour voir. Je sais pas, à tout coup, moment. Est-ce que noir devrait pas juste rajouter un coup pour se sauver, pour ne pas avoir cette coupe, quoi. Ouais. C'est un peu lent. J'ai hésité à venir tout de suite ici. C'est vrai. Je pense que c'est gros. Peut-être qu'il valait mieux, sûrement valait mieux, c'était très très gros à ce moment-là. Donc là, t'as très bien joué, hein, Marine. La classique Rengo, chacun fait ce qu'il veut. Mais on fait jamais ça d'habitude. Non, nous, on fait pas ça, hein. Nous, normalement, on suit. Enfin, s'il y a des fois où tu joues des auto-Atari. Moi ? Non, c'est arrivé une fois. C'était pas. Non, il y avait un truc. Tu fais ça ? T'avais. Si, t'avais fait. Il y avait eu un truc rigolo avec la partie de FSKB, je crois.
Je me demandais si H2 était possible. C'est ça que tu voulais qu'on fasse pour essayer de vivre dans le slip, François? Et viser une coupe en N3. Le H2, ouais, je l'ai lu. H2, En fait, j'ai envisagé soit K2, soit H2, mais je savais pas ce qui marchait. Normalement, on tue le groupe noir. Non. Ça tue pas le groupe noir, qu'est-ce que tu racontes? Bah là. K2 ou il fait H3? Blanc fait quoi? Il fait H3 ou K2? Il va faire K2, je pense. S'il veut poursuivre dans sa connerie, il fait K2, ouais. J'imagine que là, c'est... Est-ce qu'il faudrait pas... Mais j'ai pas trop confiance dans ce K2, quand même. Retirer ses billes maintenant, avant que ce soit trop tard, quoi. C'est ça, hein. Ou faire N2 tout de suite. Mais je suis pas convaincu, parce que ça abîme ton coin, ça... Attends, si tu fais H2... Vas-y, reviens en arrière. Vas-y. Coupe, H3. Ah ouais, tac. Comme ça? Ouais, Atari, K2. Non, là, y a plus rien du tout. Ah ouais, non. Chier, ouais, non. Non. Ok, oublie. Mais après, c'était tout à fait faisable, le K2 direct, c'était solide. Et je trouve que la réaction, justement, dans le centre, est très bien. grossir les pierres, c'est peut-être pas la meilleure idée. J'ai essayé de. Là, je voulais jouer G16 en fait. Ouais, et du coup, ici, je pense que c'est un peu land. En fait, la pierre en F16, elle a déjà rempli son rôle, je pense. Et du coup, Et du coup, peut-être que E15 de la connecter tout de suite, c'est un peu lent. Et vous voudrez peut-être mieux réparer cette faiblesse-là dans l'objectif de sortir les trois pierres, du coup. C'est ça. Je suis qui de coup d'accord. Ne vont pas se faire ça. En fait, F16, du coup, elle fait perdre un petit peu de points à noir en haut à gauche, mais elle va quand même pas mal aider dans le combat si blanc essaye de sortir ses pierres vers le haut. Ouais, c'est à peu près l'idée. Et du coup, je pense que pour lancer un combat, il faut vraiment qu'il n'y ait plus de faiblesse. Plus de problème, ouais. Ouais. Ok. Donc, probablement que blanc devrait rajouter un coup et que noir pourrait faire les gros coups de yosé en premier. Là. Ou en C7 déjà, c'est quand même gros. Malgré tout. Ouais. Du coup, peut-être C8 du coup. Du coup, peut-être K11 c'est un peu tôt aussi. Peut-être qu'il faudrait encore venir là aussi. Ouais, potentiellement. Là, en fait, je commençais à vouloir le centre quand j'ai fait ce genre de coup. Je voulais abandonner les trois pierres du centre parce que je savais qu'elles étaient abandonnables assez facilement. Et le centre pouvait commencer à devenir gros avec H16, avec ce genre de coup par là. Ok. J'aurais dû faire. Là, prendre la pierre. Capturer directement. Parce que quand je capture, il n'y a plus l'Atari sur la pierre noire. Ok. C'est ça. Là au moins, Anne. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment quelque chose. Je sais pas. Mais là, pas ça vaut le coup d'essayer, je pense. Là, pourquoi blanc fait pas F2 à la place F2, avant de faire. Ouais. Ouais. Du coup. Ah, mais oui, merde. Atari. Ouais. C'est l'idée. C'est ça. Donc là, ça serait gagné pour le noir. Ça serait super gagné pour noir. Hein. Mais est-ce que blanc peut pas connecter? Faut faire B. Pardon, A2. Ouais. Ouais, Sophie. Du coup, il faudrait essayer de tuer comme ça. Mais dans ce cas-là, on peut juste go back en B4. Ouais. Petite sumego. Coucou Sophie. Eh ben c'est rapide pour rentrer chez toi. Et là, juste D1. Pardon. Ouais. Ça c'était mon rêve. Et dans l'autre cas où blanc fait double année, noir va sûrement essayer de faire quelque chose comme F2.
Alors. Au moins un Atari. Pas tout de suite. Ouais. On fait les petits Atari. Et là. Là, pardon, tu m'as dit quoi? J'ai pas compris. Là. B2, non? Plutôt ça, ouais. Je voulais dire. F2, je pensais plus ça, un truc vers F2 parce que ça réveille la coupe. Mais c'est un peu chaud d'avoir. Mais là, ça paraît dur pour Blanc de. De tout faire. De tout faire calmement. Je verrais bien un co là. Ouais, mais si Blanc connecte juste en H3. Je ne sais pas. Merci Vaitren pour le follow. C'est pas vivant ça? Si, mais ouais. Après le. Ouais, ok. Si. Ça sentait qu'il y avait quelque chose quand même. Bon, faut pas tout le temps couper tout de suite. Il est trop dur. Et si... Ouais, une et fois si Blanc... C'est... si Blanc fait juste avancer, par contre, ça a l'air ok. Là, F2 direct, je pense. F2 direct. Ah oui, parce qu'après on est vivant, genre si on fait B2. Ou... La coupe. Alors... Ah ou non, du coup il faut revenir au même coup qu'avant. Fais ton G, fais le petit G2. Ouais. Et là, bah juste E1. E1 et pas D1. Ah oui, E1. Ouais. E1 c'est stylé parce qu'il y a ça. B1, c'est ça. Exactement. Ah, les petites sous-mégots du coin, c'est rigolo. Mais là. Coup, il faudrait faire ça. Et là, faudrait G, ouais, c'est ça. Et donc, essayer de vivre avec un petit D2. 3. F1. Et c'est bon pour noir. Ça va connecter. Ah. Attends, du coup je reprends mon coup. Ça. Ok. Ah, c'est vrai qu'il y a ce truc là. Mais en tout cas, ouais, le, c'est chaud. Le année apporte tout le tout. De mal de tête. Ouais, c'était l'idée. Ah, ça a l'air chaud, patate. Ok. Ça a l'air chaud, mais bon. C'est pas évident quoi. Il y a... Je pense que Blanc peut se planter à tous les coups quoi. Ouais. Ouais, c'était chaud. Et la petite attaque du centre. Bonne réaction. Là, je me suis dit, il fallait être un petit peu agressif. Du coup, Cyril, désolé, là, j'ai un peu. Chicané. Il était mou du genou. Ouais. Et il fallait, je pense. Parce que moi, la prochaine target, mais c'était le centre direct. Mais là, à ce moment-là, je me disais que c'était plus clair que c'était le blanc qui attaquait le noir, et en fait... Fallait sortir, fallait... ouais. Là, j'ai envisagé de jouer K8. K8 Il n'y a pas besoin... Parce que Blanc peut juste Blanc jouer peut ailleurs. Et puis il peut jouer aussi genre G5 ou juste le jump. Je pense que c'est bien. Mais peut-être K9. Ouais, K9 c'est très solide, c'est très propre. Ouais, c'est pour ça que K9 on le fait vite, mais. Par contre, je pense que J7 c'est peut-être damé. Il faudrait peut-être jouer des trucs comme ça plutôt. Ouais, mais là, Noir ignore. Il s'en fout de cette paire. Il va séparer d'une manière ou d'une autre. Ouais, mais... Si là, il est connecté... Non, mais c'est 9. Là, il y a encore le... Il y avait encore la coupe, c'est sûr. En fait... Marine, je pense que tout à l'heure, mais quand t'as lu le show... Ouais, mais on était en... Du coup, il y avait tout. Ouais, bah j'avais... Bah, en même temps, on était en... Le truc, c'est que... Là, tu peux faire... Tu peux piper en J10 d'abord. Et c'est emmerdant. Quand on coupe en J9, Blanc peut faire J10. Pas J, J. Lors de la coupe. Je vais reprendre le contrôle vite fait. Ouais. Tac.
Dans la variation... Je... D'accord, je bug. Non, c'est bon. Ok, c'est le retour. Dans la variation qui se passe comme ça, en fait, il y a ce coup-là. Et bah, même si on... Il n'y a plus Chicho. C'est vrai, en fait. Non, ça va. Non, mais on va tuer... En fait, ça va. Ok, bon, bah, j'avais mis Sri. Je pense qu'on... Ok. Donc on repart. Là, je savais pas trop. J'ai envie quand même de tout de suite sauver ce groupe et faire quelques points. Donc j'ai rajouté M15 pour être tranquille. C'était très fort. J'avais c'est très, très fort, mais en même temps, j'ai vraiment envie de faire des trucs comme ça aussi. Et... Mais j'ai l'impression que ça va être trop chiant si, ouais. Si Blanc joue des coups comme ça. Va falloir que je... Va falloir répondre, et puis... puis enfin... Il peut se faire plaisir, quoi. C'est donc je suis pas hyper fan, donc j'ai rajouté celui-là qui était fort. C'est ce que je voulais. Mais non, tu n'as pas eu. Ah. Et du coup, Blanc prend son Yossé avant... ici, on peut faire Atari au moins une fois. C'est gratuit. Avant de connecter, parce que si jamais on fait pas Atari, qu'on connecte et que Blanc descend, bah en fait, il le fait en... On n'aura jamais de santé ici. Et puis même après l'Atari, Noir peut décider de jouer ailleurs parce qu'il y a toujours un coup un peu dur à jouer ça. C'est ça. Tac. On joue du coup par exemple ici. Ouf. Et si Blanc vient là, il y a ce coup-là. Du coup, ça est toujours possible. Mais au moins cet Atari parce que c'est gratuit. Et les Atari gratuits, on prend. Ensuite. Eh bah ce coup très très bien joué, voilà, spécialité. Je sais pas du tout quoi répondre. Salut Naromok. Je sais pas. Franchement, je trouvais bien ton blocage. Je pense qu'il faut bloquer hein. Mais là je me disais que Blanc il allait répondre D9 après. D9. Après, genre. Si s'il répond D9, en fait il a pas gagné grand chose. Tu peux pas faire un nez à la tête des deux pierres plutôt? Plutôt que de faire un nez en dessous ou faire un nez au-dessus? Tu peux faire ça aussi, ça. C'est vraiment une forme désagréable pour Blanche, je trouve. Ouais, donc. J'aurais fait le Kosumi directement, je pense. François fait ça. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose, franchement? J'ai pas l'impression. C'est... Salut Morand. J'avoue, à la place de ce coup, j'aurais joué D8 plutôt. J'ai pas envie de faire ça non plus, directement. Ah, c'est pas... C'était très désagréable. Et donc on a fait cette coupe. Et là, quand on fait ça, c'est vraiment pour couper... Ouais, je sais. Donc, c'était un petit peu dommage de le laisser connecter toutes ses formes. Et bon, bah, je pense que là, à partir de là, Blanc est déjà très bien dans la partie. Il nous donne un petit groupe. Et j'avais compris, malheureusement, que c'était pour nous couper là-haut, mais on n'a vraiment pas le time. T'avais tout calculé, François ? Évidemment. Peut-être que ça, c'était mieux, du coup. Franchement, c'était le coup de la game. Peut-être que ça marchait. Tu connais. Ça a l'air ok. Bon, il n'y avait plus de beaucoup de temps. 10 ans d'entraînement. Et ouais, il est fort. Mais ouais. 16 même. 16 ans. Comment ça, mon 16 ans. 16 Dan. T'es 16 Dan. Non. Non, 16 ans d'entraînement. Ah d'accord, encore pour moi. 16 ans de go. Ça fait 16 ans que tu fais du go. Ah non, mais l'entraînement, c'est pour Morand d'arriver au moment où il y a la musique épique. Ah, il se prend tout pour lui, quoi. Mais voilà, c'était sympa, en tout cas. Donc, de nouveau, merci pour la game. Oh, c'était cool, hein. Yep. Ça fait 2 heures pile. Je pense qu'on a un timing incroyable. Et j'étais parti sur 2 heures de truc. Donc, quête Rengo. 0 sur 5, voilà. Ce sera pour une prochaine fois.
Ok, bah merci pour ton invitation. Merci Céline. C'était vraiment cool, merci François. Ouais, c'était fun, merci à tout le monde du coup d'avoir, ouais. D'avoir suivi. Merci Morand d'arriver, des gros bisous. Et puis à tous ceux qui ont suivi. Je vais vous repasser l'introduction donc, pour, que j'ai fait pour ce stream et la musique qui s'arrête, c'est formidable. Je vais vous repasser donc, l'intro que j'ai fait pour ce stream. Vous pouvez toujours répondre à quelle quête pour le prochain stream. Donc avec les différents trucs, il faudra qu'on mette deux, trois petites pastilles encore en live, mais voilà, c'est l'idée. Je vais checker donc boum 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 et je vous envoie l'intro. Merci à les participants, merci Marine, merci, à vous tous. Merci François, merci Cyril et bah à la prochaine. Des docteur, permettez-moi de douter de ce raccourci une fois de plus. Bien que mon physique avantageux me permette d'accomplir les tâches les plus ardues, je dois vous avouer que celle-ci est des plus ingrates. Chut ! Et bien que la boue soit conseillée pour la peau, j'ai bien peur que je n'en ai que jusqu'au temps. Veux-tu bien cesser d'être une patate bruyante ? Et voilà qu'il plonge. Voilà ! Ma peau est nourrie, et mon camouflage est idéal pour assassiner le docteur en toute discrétion. Strax ! Pardon, docteur, de vieilles habitudes. Il semblerait que cette poule soit en fait un organisme vivant doué d'intelligence. Lui. Fait comme si nous n'avions pas remarqué. Et à trois, on court. Un. Deux. Trois. Run! Go!